Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de toucher des joueurs avec un kunai à parchemin explosif. Alors, il faut savoir que les kunai à parchemin explosif, vous pouvez les trouver dans des coffres, dans des lamas de ravitaillement, enfin des lamas à butin. Et vous pouvez aussi les acheter à Kakashi Sensei, qui se trouve au-dessus de Mistimidom. Donc, juste ici, regardez. Juste ici, il y a le personnage Kakashi qui va vous permettre d'acheter des kunai à parchemin explosif. Donc, pour réaliser le défi, vous allez devoir toucher 3 adversaires, enfin il est marqué 0 sur 3, donc je pense qu'il faut toucher 3 adversaires différents ou peut-être ça fonctionnera sur le même adversaire si vous le touchez 3 fois avec 3 kunai différents. Donc là on va acheter des kunai, voilà ça coûte 150 de lingots d'or, donc vous pouvez en acheter jusqu'à 9 maximum. Et là ce que vous allez devoir faire c'est soit toucher 3 adversaires avec un kunai, ou alors peut-être que si vous lancez un kunai sur le même adversaire, si vous en lancez 3, comme ça, bam, 1, 2, ah ouais, ça ne marche pas parce que c'est pas mon adversaire. Bah, de toute façon, là, il va manger des dégâts. Ah non, il mange pas de dégâts. Hop, voilà, là, je l'ai attaqué. Et là, en fait, il faudra envoyer des kunai comme ça. Mais en plus, ce qui est bien avec les kunai, c'est qu'ils sont carrément... guidés, donc vous lancez le kunai à côté d'un adversaire et ça va carrément le suivre. Comme vous avez vu, hein, mon kunai il a tourné en rond. Bon là il trouvait pas d'adversaire donc c'est pour ça. Mais là quand Kakashi est devenu un adversaire, bah là tous mes kunai, si je les envoie même à 2-3 mètres à côté de lui, et ben le kunai il va directement sur l'adversaire. Donc c'est plutôt assez facile de toucher un adversaire avec. Donc là bien entendu je l'ai fait avec le personnage Kakashi qui est un PNJ, un personnage non jouable. Donc je pense que ça ne fonctionnera pas avec ce personnage là. Il faudra absolument toucher un réel joueur quand vous avez des kunai sur vous. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce défi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.